Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Dora FW190 D9. Je vais vous montrer eh bien comment mettre en route cet avion. Vous allez voir, c'est relativement simple et quelques petites subtilités, quelques petites astuces à connaître. Donc on va se diriger ici vers la partie des fusibles de l'avion. Donc on ouvre le clapet, on va mettre tout ce qui est flap, streamer, horizon artificiel en route, les landing gear en route, le pitot 18 en route, le Fugue 25A 16ZY en route, les instruments en route, le générateur et la batterie en route. On va ici baisser la luminosité des instruments. Voilà. On vérifie ici que les pompes fonctionnent. Avant et arrière. On la remet en position avant. La pompe à carburant sur on, les magnétos sur on, on enclenche la manette des gaz, donc de cut off on passe en idle, donc le alt gr home, alt gr début, peu importe, les flaps en position haute, on met en route les feux de position, les différentes pompes à carburant et le 96 qui nous permet tout simplement d'avoir une authentification radar pour nous considérer comme amis ou ennemis. On met un léger filet de gaz, pied sur les freins, on ferme le cockpit. Voilà. On ouvre le clapet pour le moteur, on appuie sur le clapet pendant, enfin sur la manette du starter pendant 15-20 secondes. Et vous allez entendre après les injecteurs se mettre en route. Voilà. On garde les pieds sur le frein. On va vérifier que la température au niveau de l'huile atteignent ici les 40 degrés et que pour le liquide de refroidissement ça atteigne 60-70 degrés. Donc hop, on y va, on va passer à 1000-1200 RPM. Donc pour que la température de l'huile dépasse les 40 degrés. Voilà, là on est à bientôt. On atteint les 40 degrés. Et vous voyez ici au niveau de la pression d'huile, ça diminue. Donc ça c'est bon. Voilà, 40 degrés. On passe à peu près à 1800 RPM pour augmenter la température du liquide de refroidissement. On garde les pieds sur le frein. Donc là il faut qu'on atteigne une température minimum de 60-70 degrés. Vous voyez ici la pression d'huile qui diminue. Et on est bon. On n'a plus qu'à lâcher la manette des freins. On va demander à Nato si on peut se mettre au roulage. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos sur la mise en route des avions de l'univers des CS World. Et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.